Dans le monde de Naruto, les guerres entre ninjas sont sans fin. C'est ce que nous allons voir dans cette histoire en trois actes. Premier acte. L'Akatsuki, organisation criminelle de ninja, cherche à recruter des membres. Le suivant est un nommé Idan. Suivant. Bonjour, madame. Voyons votre CV. Je vois que vous vénérez le dieu Jashin. Vous faites du porte-à-porte pour convertir les gens? Mais non, c'est le dieu de la destruction. Et que savez-vous faire? Je peux tuer des gens. Quoi d'autre? C'est tout. On vous écrira. N'oubliez pas de fermer la porte en partant. Maintenant, un certain Deidara. Quel nom à la con. Suivant. Bonjour, madame. Je vois que vous avez un CAP de poterie. Inutile. Mais non, regardez. Je sculpte ces araignées en argile. C'est très moche. Et vous avez un bac technologique mention démolition. Quel intérêt? Justement, je prends mes araignées, je leur fous un bâton de dynamite dans le cul et je les lance sur mes ennemis. C'est débile! Mais je vous prends à laisser. Mettez-vous là. Ouais, cool! Le dernier se nomme Toby. Suivant. Pourquoi voulez-vous entrer dans l'Akatsuki? Toby est un gentil garçon. Cela vous gêne-t-il d'être payé au SMIC et de ne pas avoir de ticket restaurant? Toby est un gentil garçon. L'entretien touche à sa fin. Avez-vous une dernière chose à dire? Toby est un gentil... Monsieur Toby, vous m'avez convaincu. Vous êtes bourré de talent. Il nous faut un homme comme vous à l'Akatsuki. Suivez-moi, vous deux. Je vais vous exposer mon plan pour détruire Konoha. Deuxième acte. Pendant ce temps, au village de Konoha, les jeunes ninjas Sakura et Hinata s'entraînent au combat. On fait une pause. Ok. T'as acheté quoi durant les soldes? Mais je rêve. Elles vont parler shopping. Même ninja, les gonzesses sont toutes les mêmes. Regarde, moi j'ai acheté ce kunai assorti à mes cheveux. Et toi? Moi, un livre pour cuisiner les ramen. Des ramen? Oui. Dis, ça serait pas pour séduire un garçon? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Allez, à vous, on est entre filles. Mais non, mais non. Allez. Bref, une heure plus tard. Bon, c'est vrai, il y a un garçon qui me plaît, mais je sais pas comment lui dire. Ah, je vais te donner quelques conseils de séduction sur le premier mec venu. Kakashi-sensei, pouvez-vous prêter à une petite expérience de séduction? Allez-y les jeunes, profitez de la vie. Alors tu vois, tu prétends que tu veux savoir l'heure, et là tu lui prends le poignet. Oh, quelle cruche que je suis! J'ai oublié ma montre!
Mais je pourrais jamais faire un truc pareil. C'est trop vulgaire. Ou alors tu fais comme si tu avais mal au cou. Oh, j'ai eu si mal au cou. J'aurais tant besoin d'un massage. Un massage? Mais si je demande ça, je ne pourrai plus me marier. Tiens, quelqu'un arrive. J'ai tout entendu. Alors, c'est comme ça que vous vous entraînez? C'est cette cruchasse de Hinata qui est trop timide. Écoutez les filles, on n'est plus à l'école maternelle. Si vous voulez draguer, faut être plus direct. Regardez une experte. Salut beau gosse. Ton père doit être un terroriste parce que t'es une vraie bombe. Tu embrasses les inconnus? Non? Alors je me présente. Je m'appelle Tsunade. Retiens bien mon nom, parce qu'à la fin de la nuit, tu vas le hurler. Alors, Kakashi-sensei, quelle est la meilleure technique? Les deux sont intéressantes. Allô? Oui? Ah, je vois. On s'en occupe. On arrête tout, les enfants. On vient de me signaler que l'Akatsuki rôde dans les parages. Dispersons-nous pour les chercher. À vos ordres! Dernier acte. L'Akatsuki arrive maintenant à Konoha pour tuer ses habitants. Ils utilisent une subtile technique de camouflage. J'ai entendu crier. Oh! Salaud, je vais venger Sakura. Derrière toi, une femme ninja toute nue. Où ça? Où ça? 1000 heures de souffrance. Tobi a peur. N'aie pas peur. J'ai étudié les ninjas de Konoha et je sais comment le tuer. Hé, toi, prépare-toi à mourir. Tobi est content. Mais que se passe-t-il? Oh non! Hinata, débarrasse-toi vite de cet abruti à face orange! Tobi a mal à son œil! Hinata, achève-le! Bah évidemment, tu croyais que c'était qui? Mais je croyais que c'était Naruto que tu aimais. Naruto? Mais c'est un débile. Bon d'accord, Naruto n'est pas très intelligent. Mais lui, il est complètement con. Tu ne pourras rien faire contre notre amour. Écoute Tobi, je sais que tu es un puceau frustré, mais tu es de l'Akatsuki. Tu ne peux pas sortir avec une fille de Konoha. Oh, Tobi, pourquoi es-tu Tobi? Renie l'Akatsuki et abdique ton nom. Ou si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Konoha. Tobi est un gentil garçon. Si tu veux, j'ai une bouteille de saké. On peut se bourrer la gueule pour oublier tout ça, hein. Ok. Eh oui, même chez les ninjas, l'amour est plus fort que tout. Voici la conclusion de notre histoire. Merci à tous.